Yo tout le monde, c'est Thiab, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rome de Total War. On joue l'Egypte en difficulté légendaire et ça doit être le 31ème épisode cette fois. Mais le vrai 31ème épisode. Avec quelques soucis avec les avec les nombres, les numéros d'épisode, c'est pas simple. Alors, on va reprendre Nessos. Qu'on nous avait pris de manière lâche. Incongru, là. Tous les mots disant de manière mal, de mauvaise manière, de manière mal. Ok, bon, ici on va continuer notre siège, hein, vu qu'ils ont pas l'air de se bouger. Ils ont pas l'air du tout de vouloir se bouger. On va aller là-bas avec le brave. On va faire un petit raid et on va prendre Coria. Comment niveau ordre public, c'est montant. Voilà. Ah. Ah mais il y a personne. Très bien. Ça me va. Aucun problème. Voilà. C'est parfait ça. Oui, on était en train de se taper contre les Mori aussi. Qu'est-ce que... Ah oui! Je me souviens maintenant. Hop là! Allez, on retourne à Capsa. Ah, on avait mis une dérouillée là au héros de la tu. Ils arrêtent pas de courir par contre. Ah, c'est des bons coureurs les Numidiens. C'est fou hein. Voilà. On ira à Cirta le tour prochain. Hop, on va juste faire une petite reconstitution ici tranquillement. Ah, je voulais voir quelque chose. Ah, Tyro ça. Ouais. Belle montagne hein. Très très vert. Alors ici on est bien. Ok. Ah, j'ai oublié. Arrivé à Flavium. Wow, oh, il y a du monde là. Oui, c'est vraiment du monde. Ok, ok. Avancer cette armée là. Alors, faire une embuscade. Voilà, comme ça on avance. Progressivement, mais sûrement. Voilà, on va pouvoir continuer à améliorer nos bâtiments parce que c'est un peu badèche. Pas en résolution tôt. Si, voilà. Réduire en esclavage, ça fera un peu d'argent. Puis on va remonter. On va remonter le long du Rhin. Ouais, c'est le Rhin, c'est le Rhin. Ouais, ça va être le Rhin. Ça nous avait manqué les tours infinies de la Confédération germanique. Tiens. Les Astis. Et encore les Astis. Ah, ils ont dû se faire libérer par les Alains. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi on a la vision ici ? Bon. La Numidie qui doit être en train d'utiliser ses agents. Ce serait bien aussi. Ah, l'embuscade n'est pas passée. C'est pas très grave. Ah, très très grave. Oh, où ça? Ok. Mais on va faire
faire la résolution auto. Et on prend nos dégâts. Nous battons pour vous, mon seigneur. Voilà, Noria, on n'en parle plus, elle est à nous. Par contre, tous les bâtiments là. J'avais besoin de faire tout ça, hein. Quand même. Un fabricant de bouclier. Ah ouais, c'est Kingdom. Ah ouais. Ouais, je vais voir par ici du coup. Tac. Elles sont très industrielles leur cité, hein. Vache. Ah. Est-ce que je vais arriver à... Ouf, oui, largement. Ça a marché, mais sans marcher, c'est pas très très grave. Hop, on va juste remonter là. Voilà, les vieux hommes du désert, bah, ils étaient trop vieux. J'ai envie de dire, ils ont fait de vieux os. Voilà. On a Sirta. Petite oasis. Ah, je dois pas être loin là, de l'objectif final. Hein. Ouais, je suis vraiment pas loin. Hein. Je vais lever une armée à Jérusalem. Je vais prendre les fils de Zeus Amon et je vais aller à... à Hades. Je vais essayer de forcer une bataille. Je vais essayer de forcer une grosse bataille ici. Ils sont vraiment pas nombreux là, mes unités ne sont vraiment pas nombreuses. Ouais, je vais faire ça. Je vais juste prendre quelques. Un tout petit peu de cavalerie mercenaire. Au cas où il y ait des l'artillerie. Et j'aurai ce qu'il faut pour aller la chercher. Hop. Voilà, qui comme. Ah, qu'un comme. Ah, quand même, maintenez 60 unités de mercenaires. Ça fait cher. Oh, purée, ça fait cher. Alors, maintenir de la petite unité de mercenaires pourrie. L'épée a été tirée. Elle est maintenant. Si vous avez bien lu, il m'a demandé à ce que je le paye, hein, pour le laisser tranquille. Bon, autant dire qu'il se met le doigt dans l'œil. Pour pas dire autre part. C'est hors de question. Allez, Paraden, je compte sur vous pour m'attaquer là. C'est pas vrai. Ah mince, bas quartier. Ça par contre c'est pas ouf. Ah Nessos. Ah ouais. Ah j'ai même vu qu'il y avait un siège, dit. Colonie portuaire si j'étais seul à niquer. Ah ouais. Mais ils ont de l'espoir. Hein. Je sais pas, on va les laisser. Hein. Ah ici aussi il y a un siège, j'avais oublié tu vois. Il y a le temps de voir venir, hein. J'ai 9 tours. C'est juste énorme. Hop, j'ai un copain ici. On va aller prendre Edes. Voilà.
Hades est tombé. Pour notre plus grand bonheur, à leur grand désarroi. Pour leur plus grand désarroi, je sais pas. Je suppose on dit ça. Hop, on va l'attaquer Yol. Ça se passe bien tout ça. Ça se passe très bien même. On va pas faire de construction à part. Je sais plus si c'était ce tour là ou pas. Ouais. On va pas faire de construction, on va économiser pour les mercenaires. Oh, j'avais oublié lui aussi. Allez va, Palmyre toi. Énorme. Oh oui, mortel, c'est très bien ça. Hop, ici, est-ce que je peux attaquer? Ouais, parfait. Vers la victoire. Exactement. Hop, allez, on réduit en esclavage. On ira à Piscule. Oh. Oh, alors on va changer de direction, direction des sauces. On peut voir que là il va vouloir traverser le Danube et aller sur des sauces, donc attention. Ok, passons ce tour. La génération germanique, c'est... La confédération germanique, voilà, qui est en difficulté. Nicomédia, mais tu vas pas me dire que ça tombe comme ça, Nicomédia. Regarde, ils ont que des unités à distance. Et... Bon, je vais aller jouer sur le champ. Sur le... Oui, c'est ça. Allez, toutes les unités montées, là, je sais pas. Bon, il y a une, deux, trois unités qui peuvent vraiment grimper sur les murs. Allez, 6 unités qui peuvent vraiment grimper sur les murs. Parmi ces 6 unités, il y a 3 unités de frondeur. Je sais pas comment je peux la perdre. J'ai tous les hauts folies, j'ai piqué, j'ai tout ce qu'il faut. Soit. Ah, toujours la même map, hein. Ça par contre... Il y a des choses qui ne changent pas. Ah, ah non, pas explosif, enflammé. Voilà, alors qui c'est qu'ils envoient? Ah oui, ouf. On va mettre la cavalerie en première ligne. On va mettre du piqué, ça c'est du piqué moyen. Ouais, piqué égyptien, hop. Comme ça. Oula, doucement quand même. Allez, un piqué ici. À vos ordres, monseigneur. Lui, on va les mettre là en attendant, ils sont pas pressés. Alors, restez vigilants. Position défensive. Il va falloir enflammer. Ouvre l'œil. Voilà. Position défensive. Ah. Désordre. Voilà. Les navires que je vais encore oublier, il faut les mettre. Où est-ce qu'ils accostent déjà? Je sais jamais. Ici, j'ai quoi comme unité restante? Oui, j'ai toutes les unités corps à corps, tous les follow. Maintenez. Voilà. Au poste d'observation. Il me reste quoi là? Ah ouais. Voilà. Allez, avancez les gars. Ah oui, mince, j'ai oublié. Euh.
te tirer sur les montagnards, toi, plutôt. Ils sont plus problématiques à long terme. Oh, joli, joli, joli. Oh. Voilà, ça fait bien des munitions enflammées aussi là-bas. Allez, tourne-toi! Allez! Ils veulent pas tourner plus, c'est embêtant. Ça va pas cramer ça? On va de vrai là? Nous obscurcirons les cieux! On accélère! Allez, courage, fuyons! Pareil là-bas, courage fuyons. Alors si ils sont maintenus en plus. Ils sont arrivés au corps. Ah, j'ai oublié, j'ai totalement oublié de les sortir pour. Je sais pas si ça passe. On va essayer. Ça a l'air, hein. Ça a l'air de passer, hein. Hop, ils ont pas. Pas voulu aider leur. Bah, tout à mon avantage, écoutez. Lancier, Curio, parole. Archer. Nous comprenons. De base. Allez, main de punition ici. Reprenez les tirs. Planquez-vous bien. Parce qu'ils ont beaucoup de projectiles. Enfin, de lance-projectiles. Ouais, mais j'ai quelques paires pour ma faute. Ouais, là, les unités ici. Elles sont gratuites là au niveau des tirs. Ce qui n'est pas le cas de ces unités là. Je crois que le plus protégé ça doit être eux là. Ils sont tellement à l'abri. Ouais, trêve de mobilité. Les montagnards. Ils ont déjà une bonne perte de morale. Allez, on va accélérer tout ça. Oh, c'est que ça crame hein, bientôt. Enthousiaste. Comment ça enthousiaste? Tu vas voir. Voilà. Tour à flèche, ah c'est pas des tours à scorpion, ça fait moins de dégâts, c'est pas grave. Oh, j'ai la cavalerie qui est sous le feu. Et eux aussi, c'est fou hein. Bon. Essayez donc de venir m'embêter maintenant. Voilà. Hop, là on va leur donner un coup de main. Voilà, attaquer dans les deux sens. On va les faire descendre.
Et tout le follow ici. On va les mettre comme ça. Voilà. Ça se bouscule là. Hop, ici, ils se font tirer dessus là, par les frondeurs. C'est pas grave. Hop, voilà. Voilà qui fait du bien, qui fait du bon boulot tout ça. Hein. Allez, maintenant on se replie. Aucun intérêt de rester ici. Ici, on va mettre le général sur le côté. Voilà, fais volonté les gars. Quelques éléphants là-bas, c'est magnifique. Il est tout seul, il tient lui, c'est fou. Hop là, voilà. C'est les bons dégâts tout ça. Hein. Regardez-moi l'efficacité de ces archers. Mais j'étais censé la perdre, hein. C'est fou. En même temps, pas facile de prendre la ville avec des unités de... Que les unités d'archers, hein. Montez. T'es en infériorité numérique. T'es très rapidement en infériorité numérique. Tu peux pas... Enfin, tu es obligé de leur mettre pied à terre pour les... pour leur faire utiliser une machine de siège, hein. C'est pas fameux. Hein. Ah, des quatre feux. Allez. Allons-y avec le général. Quelques unités qui ont des munitions ici. Hein. Bah écoutez, on va les faire utiliser. Hein. Hop. On va faire partir les unités d'archers là. Dégâts à la porte. Tiens, c'est marrant, j'ai l'impression qu'il y avait plus de dégâts à la porte tout à l'heure. Hop, les éléphants là. Il n'y en a plus. Voilà, l'infanterie égyptienne qui utilise ses traits et qui fait fuir là. Le reste de l'armée. Ben voilà, c'est une belle victoire. Hein. C'est une très très belle victoire. Même pas besoin d'avoir une armée supplémentaire en plus de l'armée de garnison. Inutile. Ok, parfait. Hop. Attaquons 10 midi. Ah bah Yol est tombé en plus. C'est parfait. Lancez-en avec lui. Ah, il restera encore un navire. Manière agressive.
décidé d'aller par là. Eh ben, tout simplement, je vais aller en embuscade ici. J'allais fondre des dés. Là, je vais lever une armée de mercenaires, la première. On va éviter de prendre ce qui coûte trop cher. Ça devrait suffire en plus, ça. Est-ce que là, je peux en recruter? Ouais, c'est raisonnable en prix. Il a espéré, hein. Je sais pas ce qu'il a espéré, mais il a espéré. Ok. Tiens, je vais même aller là. J'en suis à combien? 43. 43, 43. Ah. Je vais clairement monter une armée ici. Hein. Vite, vite, vite. Garde royale hellénique, pas photo. Voilà. Du coup, il ne veut pas attaquer ici, il n'est pas allé là, ça me va. Allez. Une résolution automatique. Parfait. Hop, et là, je lèverai bien une autre petite armée, hein, toujours pour dissuader. Alors, attention. Ok, carthaginoise. Les familles carthaginoises, on peut, il n'y a pas de risque de sécession. Voilà. Voilà, en plus on a suffisamment d'unités. On a clairement suffisamment d'unités maintenant de mercenaires. Il va juste falloir défendre Sigingdom. Ça, ça risque d'être un peu plus compliqué. On va voir ce qu'il va vouloir. On va voir ce qu'il va faire. Pas vous mentir, ça m'arrangerait qu'il attaque pas. Monseigneur vous offre la. Hors de question. Voilà. On va quand même recruter quelques autres unités à Sigmund, hein. On ne sait jamais. Il y a du bas quartier, dis donc. C'est quoi tout ça là? Ah bah dis donc. Ouais, c'est pas très très grave en soi. Allez. On recrute, des attaques. Voilà, et là, normalement, Samazota est à moi. Allez, recrutons quelques unités en plus. Samazota est tombé. Enfin, va tomber. Samazota est tombé. Voilà, on pille comme ça, on aura suffisamment d'argent. Au cas où. J'étais même pas rentré dans le. Ah ouais. Ok, ok. Bon les gars, il suffit juste maintenant de défendre. Dernier tour. Hein. Dernier tour, comment va se passer la défense? Je pourrais même aller là-bas, mais non, on va pas exagérer non plus. On va s'arrêter là. Comment puis-je aider Pharaon?
Oh, va voler un peu de nourriture, s'il te plaît. C'est une bonne aide. Bon. J'aurais même pas eu le temps de faire la bibliothèque d'Alexandrie, ni même de développer mes technologies civiles au maximum. Pourtant, j'en ai fait des lycées, des bibliothèques. Ah, Thessalonique. Rebelote. Ah bon, bah c'est la petite dernière bataille. Il a de l'espoir. Ah putain, à chaque fois c'est cette ville pourrie. Hein. Par contre, jusqu'au bout, hein, cette muraille là, cette ville m'aura fait. Pardon, m'aura enquiquiné. Ah, bataille de nuit. Nuit et brouillard, je sais pas, je vois rien du tout. Ah ouais? Ah! Ah, pas si facile. Au final, pas si facile. Ouais, pas si facile du tout, même. J'ai pas vu qu'ils avaient tant d'unités. Oh, bon, bah, une petite défaite, hein, très certainement. Mais ça empêchera pas de gagner. Bon. Restez vigilants. Quoique. Non. Bon, dans tous les cas, on va donner le meilleur. Comme d'habitude. Avancer un peu. On va les retirer là-bas, là, plutôt. Ouais, j'ai l'impression que c'est encore un peu loin et surtout pas groupé. Là-bas, c'est un peu plus groupé. Voilà. Simplement délimiter le nombre de fronts que je vais avoir. Allez. Attends, je suis en train de me poser la question du coup où est-ce qu'il tient. Meilleur ce petit jeu, hein. À force. Et un peu 3. But. Oh merde, mes frondeurs. J'ai totalement oublié. Désolé, les gars. J'ai oublié. Ce lieu. Ah bah, oh bah si je fais de la du PK. Lui il est motivé. Hein.
Il leur restait des... Mais non. Excellent. Aïe. Ça c'est pas bon par contre. C'est pas bon du tout. Ouais. Populace. Ils sont combien? Ah oui. Il y a une populace là, une autre là-bas. Ouais, les tirailleurs là, ça, ça fait pas long feu. Guerriers égyptiens, infanterie à vos ordres. Pourquoi ils montent pas les ennemis lanciers là? Ils ont pas envie? Bon. Au pas de course! Ces unités là, alors regarde avancer. Allez, on accélère la bataille. S'il prend le point. D'abord il y a le général là. On les entoure bien. On va leur faire un bon coup au moral là. Hop, on les pousse contre le mur, ils ont aucun endroit où partir. Marteau en enclume, sachant que l'enclume, enfin le marteau, c'est un bon gros mur là. C'est un sacré marteau quoi. Aïe, ça c'est pas bon par contre. On va essayer de faire fuir la populace là, la peau. Allez, plus vite que ça les gars. Allez, piquez, courriez-vous là. On va peut-être perdre une tourelle pour rien. Une tourelle. Ah, on a perdu quand même. On devrait la reprendre, au moins on devrait la remonter trop vite, j'espère. Pour l'Egypte, ma putesse. Général, mettez-les en pièce. Infanterie égyptienne, en avant. Supériorité numérique, ça ne va pas trop compliqué de gagner. Là, les piquets avancent, ils font leur travail. On va en décaler un. Exactement, esquivez-les. Cessez le combat. Vous êtes en jeu, vous le détourez. Cessez le combat. Et lui faire perdre le moral par l'arrière. Fauchez-le ! Cessez le combat ! Esquivez l'ennemi ! Ça c'est le problème par contre. Hop. Absolument pas qu'ils prennent le point, ce serait bête quand même. Point de capture suffit quoi, c'est dommage. Elle est un peu trop à mon goût hein. La populace, tout va jouer sur la populace hein. Ah, elle est lente, putain elle est lente. Pourtant elle est très légère hein, mais elle est lente. Ah, putain ils ont pris ce point en plus, merde. Les faire tourner en bourrique, faut absolument les faire tourner en bourrique. Même vitesse. Même vitesse. En pas de course. Gardez la vitesse. Ah, ça a fui là-bas. Ça s'est fait défoncer, bah mince. Bon bah c'est perdu. Bon j'aurais tout donné pourtant. Un peu trop d'engin de siège à mon goût. Allez, courez les gars!
Allez, faites une feinte. Voilà, de l'autre côté, allez. Ah, est-ce que si j'arrive à reprendre ce point, on sait jamais. Hein. Ah, zut. Ah bah oui. Bon, c'est pas grave, c'est pas très très grave. Pire des cas, j'irai leur prendre le tour prochain. Non, j'étais un peu déçu par contre. Là, de là où étaient les piquets, les infanteries, ils se sont fait totalement dérouiller. Les piquets n'ont pas réussi à se remettre en ligne, c'est dommage. Ils ont clairement pas refait une belle ligne. Ouais, à mon avis, je vais devoir faire tout ça le Niki une deuxième fois. Ça m'étonnerait que dans l'objectif final, alors peut-être, hein, je me trompe peut-être, mais il n'y ait pas étonné l'ensemble de la Macédonia. On se barrer. J'ai oublié de recruter des mercenaires, c'est pas grave. Ils sont longs à jouer, la Confédération germanique. Presque le temps d'aller se faire un café, quoi. C'est. Ah. Les Paraden, ils sont pas si longs à jouer habituellement. Ah bah si. Eh ouais, Thessalonique qu'il fallait garder. Ah non, je me suis trompé. Ah, c'est Tarsus qu'il faut, c'est pas Samosata. Ah bah zut. Bon bah, ce sont des choses qui arrivent. Hop. Laissez-les battre en retraite face à notre puissance. Ah, résolution retour. Tarsus. Ah bah l'erreur du gars. L'erreur des débutants si je puis dire même. On va leur fournir des unités de renfort. Ils sont combien? Hop, on va leur en fournir deux supplémentaires. Et on les fait aller en Antioche. Bon quand même par contre ici, j'ai pas aimé. Ah bah je peux plus les armer. Ah bah mince. C'est ballot. Allez, je devrais encore avoir un peu d'argent le tour prochain. Pas grand chose hein, mais il y aura de quoi faire. Allez hop, tac, tac. Une petite armée de biens de mercenaires. Et voilà. Retour à Carthago. Traité de paix, qu'est-ce qu'il me veut lui. Ah, je préfère encore prendre d'une ville que faire un traité de paix. Hein. C'est Gestica, oui, prends pas de problème. Une ville qui m'intéresse, ça. J'ai déjà tout ce qu'il faut en fabricant d'armes et de boucliers. Voilà, encore. Ouais, il gagne avec quoi là? Bon, là par contre, là les gars, par contre, je vais pas me laisser faire. Il a deux pauvres péons et demi. Clairement. Ah oui. Ouais, sur cette pour vos en formation. Alors, hop, qu'est-ce que je fais? Piqué ici, on les met en attente. Les fingers. Populos on va faire feu. Tribunos. Voilà.
Hop, ça donne quoi? Ça donne qu'ils se barrent tous là. Hop, très bien, pas de problème. Voilà. Hop, attention, qu'on recule un peu quand même. Avec la populace, ça c'est bien. Hop, cela, on reste comme ça. Alors, on a des projectiles à envoyer. Hop, attention, populace. Oui, on vite. Quoi? Pardon, c'est quoi le délire là? Mais c'est quoi ce délire? C'est quoi ces fuyards? Mais même la populace elle fuit pas? Qu'est-ce que c'est que ce bâtard encore toi? Il se passe des choses, je saurais pas dire. Retirons-les avec la populace et tout. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar là? Non, on peut pas leur faire faire ça quand même. Je comprends pas, c'est n'importe quoi. Ouais, bah maintenez. C'est pas vrai ça, mais crevez! Mes frondeurs qui se barrent, ils ont perdu 20 hommes, ils se barrent. Les deux. Mon général qui est pas foutu de tenir une ligne de piquier. Cette bataille n'aura eu aucun sens. Du début à la fin, là il y a eu un truc. Ça a défié l'entendement là. Je sais pas ce qu'ils ont là, d'un coup ils sont déchaînés là. Cette bataille n'a eu aucun sens. Une ligne de piquet qui tient pas. Des frondeurs qui ne tirent pas et qui se barrent dès qu'ils ont eu combien 20%, même moins de 20% de pertes. Je vous rapporte. Bon, heureusement que c'est la victoire là-dessus parce que là je comprends pas. Très honnêtement. Faudra m'expliquer en quoi une ligne de piquet n'est pas capable de tenir une unité de bretteurs. Là. C'est un mystère. Impérator, tiens donc. Il me manque un succès. Ouais, bon. L'Égypte règne. Sans partage. C'est la taille de ce truc, toi, il lance qu'il lance. Là. Comment diriger les éléphants, là? Parce que là, je sais pas, chez les éléphants, le. Ils reconnaissaient les Égyptiens aux autres, je sais pas, ils sont forts. Hein. Ah bon, c'est une victoire et c'est même un succès. Remporter une bataille en difficulté légendaire. Une bataille? J'en ai remporté plein des batailles. Bon. L'Égypte règne. Voilà, je vous laisse regarder et faire pause si vous voulez sur les stats.
beaucoup de captifs exécutés, hein. 14246. Ça, c'est pas mal. Voilà, donc ce fut le dernier épisode, donc le 31e, ça aura pris un mois pile. Attends, c'est pas normal, on est le 2. J'ai commencé le 1. Ah bah c'est... Oui, il y a peut-être un loupé dans le compte quelque part. Allez, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Je vous remercie à tous d'avoir suivi cette campagne avec les Égyptiens. Allez, c'était Tchum. Ciao.